pendant qu'ils répondent, eh ben, on s'habille comme eux, mal, bien sûr. C'est à peu près le look. C'est un génie, nouveau, hein, c'est un nouveau. T'es un génie. Toi, t'es génie plus un. Moi, venant de Cherbourg, en Normandie, là où je vois pas du tout de métro, de RER ou quoi que ce soit, on a juste quelques bus qui desservent évidemment les villes, mais en dehors, c'est l'écart, c'est compliqué. Pour le prendre, avoir deux minutes d'attente entre les deux, c'est top. Et votre frère, il en pense quoi? Mon frère? Oh merde. Ça roule. Bien. Ça va bien? Merci. Ça roule? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu penses, toi, du métro? Oh, j'en ai rien à foutre. Putain, la vérité, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous pensez des transports en commun parisiens? Ce que je pense des... Oula, alors, très sincèrement, je me déplace surtout à pied. Surtout là, quand il fait beau comme ça. Et non, en général, je trouve ça un peu crade quand même. Et bonjour. Salut, gros. Ça? Ça va. Mais tu sais que ça te va bien? Blasé. Hashtag fin de journée. C'est compliqué. Je suis claqué. Je suis un peu raide. Un peu, ou pas? Ouais, je suis un peu raide. Hashtag gros spliff. Du coup... Et hier, pour aller à Sacré-Cœur, on a pris une fois le bus. Et le bus, c'était bien? Oui, ils étaient très gentils, les conducteurs, parce qu'on savait pas trop où descendre. Et ils étaient vraiment très à l'aise. Il nous a dit, attendez, au moment où ils nous appellent, il nous a dit, maintenant, descendez. Et c'était super. Et votre frère, il en pense quoi? Mon quoi? Votre frère. J'ai pas de frère. Ah! Première nouvelle! C'est pas votre frère? Non, c'est pas mon frère, désolé. Ah mince! Bon, autant pour moi. Je croyais, comme les petites sont à l'école ensemble, en fait, les petites sont à l'école ensemble, ce sont les parents d'élèves. Merci monsieur, bonne journée. Au revoir. C'était pas votre frère? Non.